Bonjour, je suis Chanel McLaughlin et il est temps de présenter les principaux signaux de trading quotidien de mardi. Voyons comment les études techniques se comparent au sentiment interbancaire à 8h GMT. Tous les trois intervalles montrent différents résultats pour l'euro-dollar qui est plutôt vert dans son court terme et neutre dans le moyen terme. Le long terme montre quatre signaux baissiers, ce qui correspond au sentiment interbancaire court de plus de 18%. La livre dollar voit quatre signaux vente dans son graphique d'une heure, mais les graphiques de 4 et de 24 heures deviennent neutres avec 5 études chacun, ce qui correspond à l'interbancaire qui est neutre et fait moins de 15% en court terme. Il y a du rouge à travers le tableau du dollar yen qui voit 5 signaux vente dans son graphique d'une heure, 6 dans le graphique de 4 heures et 4 dans le long terme. Par contre, l'interbancaire est aussi faisant plus de 33% à long terme. 5 études pointent le sud dans le graphique d'une heure de la livre yen. Le moyen terme mixte entre les signaux neutres et les signaux baissiers et le long terme devient vert avec 5 modèles. L'interbancaire est neutre faisant moins de 9% à long terme et il ne correspond pas aux études techniques. On termine par l'euro yen qui voit 6 rouges dans ses graphiques d'une heure et de 4 heures. La perspective journalière devient neutre avec 4 modèles, ce qui est soutenu par l'interbancaire court de moins de 1%. Cela conclut les principaux signaux de trading quotidien de mardi. Ces statistiques seront mises à jour chaque heure toute la journée. Restez branchés.